Là, ils n'ont toujours pas perdu. Va opposer donc notre team qui ne sont pas les vendus. Ils n'ont pas fait équipe avec les joueurs japonais. Ils ont eu l'Alliance européenne. Elle est là. Luffy et Reinhardt. Il est là aussi. Il a mérité sa place. Il l'a forcément mérité. Avec l'un des joueurs probablement les plus forts de toute cette compétition. Est plus que très importante. Arriver en grande finale pour se mettre bien, mais la cruauté du tournoi team, la cruauté qui veut que tout se joue en un seul match. Voilà, on serre la main et Chips, l'imprévisible Ken, l'homme qui peut tout faire, contre qui tout peut arriver, va jouer contre eux. Aujourd'hui à la Grande Europe, mais sur le niveau international, il a probablement battu l'intégralité des joueurs contre qui il est tombé en tournoi. Reinhardt contre Jim, c'est l'affiche de ce premier match, avec évidemment Reinhardt qui connaît parfaitement son jeu et dont le jeu de projectif. Voilà, c'est Ligue en intégralité avec le Barbara Point Tigerny et un Duncan. Vous avez juste à votre distance, il attend bien de voir s'il y a un petit dragon qui va sortir ou pas. À distance pour pas se le prendre. Dans un peu moins mal, mais ça fait quand même son effet. 1-0 pour Ryan. Et Jim n'a peut-être pas lancé toute sa folie. Avec Tiger en percut, avec le Tiger Knee juste crossover. Le L4, va évidemment pas le Tiger Knee en fin de fois. L'overhead de distance. C'est déjà une moitié de barre d'avance pour Ryan. Et le Babul, je sais pas ce qui s'est passé. Complètement bien que Jim K fait bugger les box du jeu. Avec encore ce gros poids, le Tiger Knee terminera dans la gare. Et prend le macro. L'attaque de Jim, c'est son moyen. Jamais assez loin de ce point. Et 1-0 pour la team Wajda Wolves. C'est bien ça. C'est très très bien. Là, team Wajda Wolves donc il prend le premier match tranquille. Et Luffy qui va donc affronter Kidnu. Donc, comme j'ai dit dans la stratégie de match, évidemment, Reinhardt était plutôt assuré de remporter son match contre Jim, c'est une statistique pop. Pour Luffy, ça va être beaucoup plus dur. Et si ça va être beaucoup plus dur, le match-up, on lui pense avoir en sa faveur. Il est vu, il joue beaucoup de persos, mais il va très probablement jouer Camille dans ce match-là. Cela dit, même si Luffy perd, et bien on se retrouve dans la configuration où Kid Nebu aurait joué finalement contre Reinhardt dans le premier des cas. Du coup, quoi qu'il arrive, Ryan allait probablement rencontrer Kid Nebu. Et du coup, pour éviter de rencontrer, de tomber contre lui, il laisse le travail à Luffy, ce qui est un choix plutôt logique. Luffy qui va donc, à l'aube de la place pour la grande finale, affronter celui qui n'a jamais perdu. Celui que l'on dit aujourd'hui invincible, l'homme aux cheveux dorés, Kid Nebu. Et la première ouverture de garde, et bien elle pour Luffy. Bon, attention à ce Soul Spiral. Et le canon strike qui whiff avec encore un avant-gros pied. On va les utiliser peut-être pour essayer de chercher comment Kid Nebu va réagir contre ça. Est-ce qu'il sait réellement jouer contre Hans? Pouf! Le dragon bien entouré avec ce strike qui mange la chope de Luffy. Spine Knuckle, c'est un héros, mais strike de LK, de LP. Va bien push, mais fait balayer. Il va moyen pouvoir finir par toucher. Avec ultra de assez tôt pour essayer de faire recul Kid Nebu. Mais Kid Nebu qui ne recule pas. Du coup, beaucoup de Bloodstone. Et la très bonne des chopes de la part de Kid Nebu. Si vous voulez, c'est attrape une telle distance. Le S-Strike, cross-up juste derrière. Pas de point, pas de quoi. Et 1-0 pour Kid Nebu.
nous fait qu'on le train dommé tellement tardivement, telle domination, et pour le moment, où Bagdash, il s'en fout, il va laisser que la question du train 2 l'a tellement d'avance à l'énergie, comment est-ce qu'il peut le faire? D'un pris comme le satellite avec un moyen sous spirale, Luffy qui essaye de revenir comme il peut, avec une barque pour passer sorti, avec ce traqué dans la gare des contre Robin, avec ce sous spirale pour sortir du coin, et Luffy qui encore espoir, avec un moyen sous spirale, encore cette balayette qui amènera dans la garde de ce dernier qui essaie d'ouvrir la garde évidemment avec les canons de strike dont on n'a pas énormément de solutions parce que c'est elle celle de la grand foi, ça risque de trade, ça risque de perdre. Bon, le backdash est juste au bon pour éviter la choc, Luffy qui a l'avantage mais qui prend Spiral Arrow tout de même avec le backdash jusqu'à ses parents moyen point. Encore backdash, Spiral Arrow finit sur du recover du sous spiral du coup de Link, lui on a la foule Luffy, ça sert à pas, la mise au coin avec le scène compil va sortir dans la garde et l'achat bien puni par de l'autre Spiral Arrow encore une fois sur ce là. Arrêtez son combo, alors je m'en sers, mais le flic, il va moins loin, alors c'est pas un trap à combo, puisque là ça passe pas en équipe. Luffy qui est très très bien, avec l'avantage, sur qui débute pour une place en grande finale. Il a toujours le bas moins loin, la grande flic ne peut plus se prendre la moindre ouverture de garde. Il cherche à buffer l'ultra, évidemment de passer. C'est fait. Luffy sort qui t'a vu et propulse son équipe en grande finale de ce Stunfest. Quel match avec une telle domination de la part du joueur japonais lors de la quasi-totalité du début du match. Et pourtant un mental à toute épreuve de la part de notre joueur national, Luffy, qui tient bon la barre, qui tient bon le vent et qui envoie son équipe en grande finale, petite finale maintenant à mon avis, avec Kinevu et Jinx qui vont affronter la team Kametsu et Genki, il me semble, si vous êtes là. C'est ça, hein, c'est ce match-là. Match du top 3 de Super Street Fighter 4 Arcade Edition. Et là aussi un match important, très important. Genki qui te vu. Et ça parle, et ça discute. Janken, ça c'est Janken. Ah, Kametsu qui a perdu Janken. Et du coup, c'est Genki qui va y aller en premier. On va donc voir Genki contre Jinx, un Ryu contre Ken pour la suprématie du joueur de Shoto. Et ça va être donc un match 100% japonais que l'on aura juste après. Peut-être décisif, et c'est assez. Il est vu qu'il remet finalement la décision de ce match sur un seul set en choisissant Jinx en 1. Maintenant, c'est pour Genki que tout va se jouer. Alors Genki ne fait pas équipe avec personne quand même. Il y avait celui qu'on rappelle. A juste remporté le Togeki une fois, certes sur une escroquerie infâme, mais le Togeki quand même, ils sont peu à l'avoir remporté. Ça fait toujours stylé d'être avec vainqueur du Togeki en équipe. Mais qui n'a vu des titres, il en a beaucoup. Il a énormément brillé, pas forcément tout le temps concrétisé, même si ses classements général sont plutôt bons. La testo. On est bien. On est bien Vincent, détends-toi. Vincent, Genki, qui allait plus loin que son fiston pour une fois dans la compète. Et là, il veut prier maintenant par lui-même son Ryu face à Jim. Et Genki évidemment qui veut sa place en grande finale. Absolument. Genki est c'est le
Kabeita. Kabeita. Attention, on va aller au Ken Kiwi Fisty parce qu'il prend un Karachop. Ken Kiwi sur l'eau qui s'est, mais le cross la meilleure passée. Encore un petit point, c'est ton point. Allez, tu l'as fait plus elle est passée dans la gare. Merci à mettre un petit point, décalé le chope, dernier chopé par 10. Qui renvoie le dragon imprévisible. Le Sonic au dragon avec ce petit talent qui finalement, eh bien, n'a de secret que pour lui. Et il prendra du conseil avec ce Shoryu. Un match très important, parce que je rappelle que le vainqueur de ce match laisse la décision finale au match entre les deux joueurs japonais. Ah, la Gaki qui place ici, cette chope-là, avec Tatsuma qui cross-up sur la relevée, la phase vide de Yamazaki, on les connaît ici au Stunfest, il adorait faire ça, c'est marrant de les revoir encore en finale, ces phases-là. C'est pas bon, attention, parce que le Xanoken est utilisé à distance. Bon, alors encore un dragon d'anticipation avec deuxième dragon, le cross-up, la Gaki est là, Gaki qui dash, et qui dash très très bon. À un moment, finalement, il fallait peut-être plutôt se replier. De Kadokan, il est bien. Juste le repli, après la prise d'avantage. Non, pas ce moment. Ouh, complètement raté. Avec son pas gros point ici. Jinx, replacer Karachop derrière le Dolka. Attention, le Kizem. C'est un cross-up bien gardé. On va aller à Kiz, pas meilleur kick. Et avec Kadokan, pas spécialement très grave. Et Kiz est légèrement en retard. Voilà, pas pris la balle. Imprévisible Shoryu. C'est le Jinx Shoryu. Et le Jinx Shoryu. Envisagez, mettez-vous à la place d'un joueur qui prend ça. Mettez-vous à la place. Comment tu veux? Ça n'est plus possible. Tu dis soit le mec qui voit tout, soit il en a rien à battre. Et dans les deux cas, je suis mal. Je suis vraiment très très mal. Et c'est vrai qu'en un, il n'y a rien de plus dangereux. Kabetsu, qui se met pieds nus, on est bien. Faire un peu de foot dive. Yes. Foot dive. Qui est donc le dernier rempart face à Kinnevu qui a et bien subi sa première défaite contre Luffy. Kabetsu, hein, dont le surnom signifie chou. Un chou japonais. Voilà. Évidemment, quelqu'un assez atypique, un fiefé schnapster, comme on aime à dire. Et c'est une stance, on va dire, assez atypique. Ah, ça se serre la main, voilà. Dans les vrais combats européens, ça on aime, même entre japonais. Mesdames et messieurs, ça va probablement être un match du feu de Dieu. Le vainqueur du Togeki, Kabetsu face à Kinnevu. Ça a peut-être pu servir. C'est garanti. Technique d'anti-vol de stick. Niveau expert. Qui était vu qu'avait dessus. Et cette Viper blanche qui a fait trembler tout de même. Pas mal de monde. Ils ont sorti. Les teams Misotelu, ils ont sorti. Beaucoup d'équipes. Allez, première voiture de garde. Qui était vu qui va remettre le deuxième. Qui visait pour Viper d'éviter ses deux fins. Avec quelques strikes, pas gros foin, Valley Edge, Lord Doctor, pour remettre la phase, il a fait spirale en haut, mais non, juste non, pas à ce moment-là, pas en spirale en haut, qui reste à moins 12 000. Kabetsu qui est pas dedans, parce qu'il faut être chaud en un match, il a tout de suite démarré, il n'a pas le temps, lui, qui s'est vu, lui, il résiste, c'est cette top, c'est qu'il backdash avec le saut, et Kabetsu très sur la défensive, qui réussit à passer le ballon du Burning King, peut-être que le premier sang est significatif. Well saving avec un sacrifice hit sur ce backdash de Katana Knuckle. Il rend backdash parce qu'il a peur du dragon. Et ce second pied, il a essayé de prendre un dragon, mais celui-là, ce sacrifice, il n'aurait pas raté. Attention à l'Okizé, il faut pas se reprendre l'ouverture de garde. Du coup, il y a speed bar de X avec ce X-Burning Kick. Le Burning Kick qui lui fait immédiatement, il finit par 2K. Et le Spear à la haut, encore avec ce sac qui casse la tentative de Burning Kick d'un Kabetsu qui n'a plus d'air. Juste plus d'air pour respirer. Regardez, la main tordue tout de même. Quel match et quelle domination
premier de cette compétition à n'en pas douter. Que fais-tu? A fait du mieux qu'il peut. Alors, peut-être par là-bas. Cela dit, ils ont fait troisième. On les reverra. Je vous demande quand la tonnerre d'applaudissements pour Kelsey et Kavetsu. C'était chaud, c'était chaud. Grande finale. Grande finale. Et un premier match. Alors là, c'est en 1, mais si vous les battez, c'est encore en 1. Voilà. C'est ça. C'est ça. Le premier match qui va se dérouler exactement comme le match d'avant. Même victoire de Janken. Même disposition. Même match. Même scénario. Nous ne savons pas. Hein? Je sais pas ça. Peut-être théoriquement ils peuvent. Puisque c'est en tag, donc. Allez, Ryan face à Chip. C'est la grande finale de ce Snapfest. Toutou. Ryan ici in extremis. Il a fallu un peu le prendre par la main pour qu'il puisse trouver le chemin de Ren, mais il est là. Il est en finale. Avec Luffy, et là où Gatti s'est fait surprendre et l'avant contre Chips, le tout ne veut pas se faire surprendre ici, de réitérer tout simplement le match qu'il n'a vu Luffy. Dragon, saute pas s'il te plaît sur le grand. Impossible de passer par ici. Très bon Dunk à Hadoken. La Hadoken un tout petit peu loin est absorbé par la saving de Ryan qui poutre très bien. Vous avez vu sur la saving d'achat, encore une fois pris. Pas moyen pour un Tiger Mid avec le 10ème Dunk à Dunk. Pas moyen pour un Tiger Torken. Ils seront encore la relever et il remet. Du conflit cancellé, tac 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 tac, chip 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 chip, ça gratte par ici, il y a du 2x là-dedans, et une domination pour le moment de Ryan dans ce match assez froid, fin de save it pour Dash en avant, et immédiatement rechauffé, il a maintenu Jibs dans le coin, dans ta gueule, en fait, passera pas, l'utilisation du SS Maki est très intelligente de la part de Jibs, lui permet de passer la chope, ah dommage, j'ai raté son autre Gizem, le cross-up wave, et du coup il rentre dans la chope, là Ryan qui se remet dans le coin, qui va prendre la dragon tout de même là-dedans, c'est la remise au coin, c'est le jeu de la remise au coin, alors est-ce qu'il va se remettre au coin? Il se remet au coin. Allez, je ne sais pas, je ne sais pas ce qu'il y a avec ce coin, mais visiblement ils s'y sentent bien, ils veulent y rester, avant Medium qui est cassé par la Sami qui est chargé que level 1, Jibs, oh là, qui a lâché cette focus, pensait peut-être pouvoir choper les bras et les membres du gros Sagat pour essayer de placer l'ultra, mais il n'arrive pas à progresser dans un Tiger Shot, impossible, c'est l'échec qui est maintenant en haut, le moment où il a cassé, avec son gros pied, comme dans l'école Ken, gros gros foie, dans Shoryu, Jibs qui s'enflamme, le dragon aussi, oh bah le gros, reste dans le coin si t'es bien, et bien reste aussi, oh la phase de Natsuma qui cross up, avec son objet qui est passé, et là, voilà, Ryan qui reprend un tout petit peu ses esprits et qui saute, et qui dragonne, la focus cassée avec le revolver à tout, en fait Tiger Dig avec cross-up, il s'est remis dans le coin et c'est tout simplement sur bien, Tiger emporte encore une fois, Luffy Zen qui peut être fatal, tu as fait Tiger Shot cancel, ouh, quasiment plus tard, Jibs qui n'a rien, un comeback de l'enfer, avec un avant Medium qui dragon, on sait pas, le Hadouken qui a ce sort de Tiger Dig, ce gros point, le bat du poing, le dragon la gueule, et c'est fait. Petite frayeur, mais Ryan prend le premier point. Et on se retrouve avec un set décisif. Remake de la finale Winner Bracket, dont on a connu le dénouement. Un dénouement identique serait évidemment un petit signe de victoire au Stunfest, généralement dans l'histoire du Stunfest, les teams, le Japon ne passe pas. Est-ce que ça va être le cas ici, est-ce que ça ne va pas être le cas? La question évidemment reste de poser. On sait qu'on a aussi un adversaire redoutable, mais surtout sur scène, un adversaire redoutable, dans son élément, dans les tournois. Mesdames et messieurs, le remake de cette finale Winner Bracket, Luffy contre Kid Nevu. Et on pouvait peut-être parler de miracle.
miracle durant le dernier match, même s'il n'y a pas eu de miracle, même si c'est tout simplement à la fois une gestion de pression et à la fois une gestion de l'intimidation, ajoutée à un niveau de jeu exceptionnel qui a tout fait changer. Luffy contre Kindevu. Il y en a pour Luffy ici ? Il y en a plein pour Luffy ici. Ils veulent évidemment voir le joueur français s'imposer dans ce match. La FSA avec le sous-spéral qui passe tout pour Stan Croppé contre Rita, Stan Croppé par la taille. Ça attaque très très vite hein, quand même. Dans ce niveau, pouh ! Spiral dans Stan Croppé, il a peut-être trouvé la solution pour poser des difficultés à Luffy qui est directement dans le coin avec la chambre. C'est parce qu'il y a un top, c'est top 2. Oula, il a fait Whiff Mickey de Stan Lucky pour placer le chop. Encore la glissade, oui, finish par Aspire Laro. Il est sérieux là, tout début. Il a sérieusement rehaussé son niveau de jeu. Le backdash anticipé avec Aspire Laro. Il a le temps de mettre la garde hein, sur ce exo-strike. Mais juste. Ça touche pas. Ah, ça touche pas. Il a encore ses satellites quand même sur lui. Même s'il ne va pas le punir directement. Qu'il début qui recule, qui se met à l'abri. Mais à l'abri dans le coin. Un coin qui visiblement les affectionne tout particulièrement dans ce stage. Avec le pressing de Luffy, mais qui fait une glissade. Cross down, le remettant dans une position assez inconfortable. Oh, le exo-spire, on s'en fout. Allez, faut punir. La punition de Rose. Attention à cette eau qu'ils aiment parfaitement gardé. La défense incroyable de l'autre. La défense. Et la balle de match entre les doigts du joueur français à la manette de PlayStation 1. Décidément inimitable. Première ouverture de garde par Kidi avec ce 2LK. Le petit job parfaitement anticipé, mais il a quand même pris un strike dans sa balayette. Attention à combo, ça va être close-up. Le bac lâché bon. Le bac au point est absorbé. Avec encore une fois. Good teammate. The best. Me dit-il Ryan. On va procéder à la remise des lots. Luffy, je lui ai dit, si tu fais pas premier au Stunfest, les lots, n'aura pas grand chose. Il avait la niaque du coup. Il a voulu cette première place. Zouzou. Comment ça? Sylvain, s'il te plaît. Sylvain, nous avons besoin de toi. Allez, je rappelle, le speedrun de Portal qui essaie de se terminer juste derrière avec les concerts qui sont aussi lancés. Des tas de choses encore prévues au Stunfest avec demain. 4. Et comme Malek et Zouzou le disent, oh my brother, testify!